Bienvenue à tous, bon retour à ceux qui nous rejoignent depuis ce matin. Cet après-midi, donc, on va commencer ce temps d'échange autour des livres, puisque nos échanges donnent lieu parfois à de très beaux ouvrages, puis il y a des livres aussi qui sont indépendants. On va commencer avec le livre de Dominique Cobec. Elle a écrit avec Amin Hamma, très beau livre que je vous invite à regarder, qui est en vente évidemment, et qui est un ouvrage assez particulier puisqu'il s'agit en fait... Donc Dominique Cobec, avant de vous parler de son livre, je vais vous parler un petit peu d'elle puisqu'on a la chance de l'avoir parmi nous. Elle est professeure émérite des universités en arabe maghrébin, donc spécialiste, évidemment, c'est une linguiste qui est spécialiste de l'arabe marocain et de la dialectologie du Maghreb. Elle a écrit de nombreux ouvrages et de nombreux articles sur le Maroc et sur l'Afrique du Nord de façon plus globale, et puis elle a travaillé beaucoup aussi sur les expériences du passage à l'écrit de la Darija, qui fait vraiment l'objet de ce livre à travers un champ très particulier, puisque c'est celui de la musique, où Dominique s'est intéressée à des genres aussi éclectiques que le punk, le rap, le slam, la chanson, pour voir comment la Darija arrive de plus en plus dans la culture artistique, et notamment à travers la musique. Alors dans ce livre, ce qu'il a d'assez formidable, c'est que vous avez à la fois directement, vous avez les deux alphabets et la traduction des chansons, énormément de photos, des biographies, et je pense que Dominique a une vidéo à nous montrer qui présentera ce livre et son travail. Hop. Merci beaucoup. Hop, il ne faut pas que j'approche trop. Donc je vais commencer par vous montrer une petite vidéo, et puis j'ai un PowerPoint, puis vous m'arrêterez si je parle trop. Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite par la Fondation BMCI, qui a en partie subventionné ce livre, parce que des livres de ce type-là, avec beaucoup de photos, c'est extrêmement dispendieux. Donc je vous passe... Alors, il y a un problème de son. Je peux pas. C'est un titre de Amin Office, un des premiers rappeurs en Darija au Maroc. Les photos du boulevard. Les tout débuts du graffiti. Premier festival de graff au Maroc, ce Barabara 2013. Donc c'est 20 ans de scène underground, 95-2015. Et combien de temps de recherche pour vous? 10 ans, en faisant autre chose, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait, Dominique, qu'une dame, professeure émérite de linguistique des universités, s'intéresse au rap, au punk, au slam? Enfin, c'est quand même assez atypique. Bah, peut-être. Mais en tout cas, elle s'intéresse à la langue dans sa société, donc à la langue parlée par les jeunes, et puis à la langue utilisée. Si vous voulez, on arrête ça et on passera
On peut passer, ça c'était le roll-ball. Quelqu'un a parlé de roll-ball hier. Donc c'est un titre de Bari, un des premiers rappeurs. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à la darija dans la musique des jeunes? Parce que je me suis intéressée à la darija telle que parlée par les jeunes. Donc déjà c'est une première chose. Et ensuite, j'ai approché la nouvelle scène parce que pour la première fois au Maroc, on était fiers de darija. La darija, moi j'ai travaillé pendant des années où j'étais obligée de me cacher en disant je travaille sur le patrimoine, je ne sais pas trop quoi. Parce que en plus en n'étant pas marocaine, je me faisais accuser d'être néocolonialiste en mettant en avant la darija. Enfin bon, c'est une idéologie qui est quand même très forte, qui a été longtemps ancrée, qui existe encore d'ailleurs, il y a des réminiscences. Mais bon, donc j'étais pas... je ne pouvais pas m'en vanter, il fallait que je fasse attention à ça, encore maintenant dans un sens. Mais là, pour la première fois, à partir de 2003, on va voir dans le PowerPoint, des gens disent « Darija, c'est notre langue et on en est fiers ». Ils le disent en public et ils commencent à l'utiliser en public dans tous les domaines. Dans la chanson, ça a toujours été utilisé. Dans toute la chanson populaire, Chahabi, Aïta, on l'a vu hier, c'était utilisé. Mais là, c'est une scène underground qu'il utilise, une scène alternative avec des genres comme le rap, etc. On peut passer les diapos si vous voulez. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Et quelqu'un comme Driss Xikes, qui est quelqu'un qui doit vous parler, en 2017, il parle du premier opus de Mustapha Slammer, qui était un ancien rappeur, qui est passé au slam. Et voilà ce qu'il écrit, il dit « Les néo-intellectuels, c'est d'abord les rappeurs et les slammeurs, comme Mustapha Slammer, qui expriment au plus près de ce qui nous touche en continu. » Donc c'est quand même un bel hommage de Driss, hein, qui était toujours... Et puis, donc, il y a cette arrivée en fanfare sur la place publique de la darija, avec des discours, la reconnaissance, « Darija, c'est la langue qui nous unit, Driss Xikes, en tant que... » rédacteur en chef de Tel Quel, en 2002, il fait un titre, pleine page, Darija, langue nationale. Quand on sait qu'aujourd'hui, Darija n'est même pas encore reconnu. Lui, en 2002, il fait ça, il y a 20 ans. Donc, donc, cette société civile, elle dit, la Darija nous unit, la Darija est une des composantes importantes de la nouvelle identité marocaine, parce qu'avant, marocain, c'était que musulman, arabe. On ne faisait pas dans le détail. Donc là, il y a une marocanité. Avant, ça s'utilisait que pour le Sahara, la marocanité. Maintenant, ça s'utilise pour l'identité, quoi. Il y a une nouvelle identité qui dit on est africain, premier mot. On est amazigh. On est arabe aussi, etc. Et toute une composante. Donc cette nouvelle identité, entre 2002, 2005, 2008, 2010, on n'arrête pas de parler de pluralité. Quand la constitution marocaine est révisée en 2011, la pluralité, elle est dans le préambule. Donc ça montre à quel point le débat sociétal a bougé les choses. Bon voilà, et puis il y a aussi en même temps un passage à l'écrit, citoyen, c'est une langue qui n'a pas d'académie, qui n'a rien, parce qu'elle n'existe pas. Elle n'est pas reconnue dans la constitution, c'est la seule. Évidemment, l'oral amaziria, l'oral l'arabia, bien sûr. Et même le Hassaniya est reconnu, mais pas le Darija. Et alors, comment est-ce qu'elle passe dans l'écriture, cette langue? Alors, elle a toujours été écrite au fil des temps. Il y avait des cahiers, quand ils faisaient du Melhoun, les artisans, ils notaient ça avec une graphie qui leur était particulière. Chacun inventait son orthographe, on va dire. C'était la graphie arabe, je pense, je vous fais le geste du crayon. À l'époque, bien sûr, et puis après, il y a un nouveau passage à l'écrit qui correspond aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les premiers textos, en 2001, arrivent au Maroc. Pendant 6 mois, ils sont gratuits, avec les vieux téléphones Nokia. Donc, tout le monde s'apprend à écrire. Avec quoi? Il n'y avait pas de graphie arabe sur les vieux Nokia, avec la graphie latine. Donc, ils écrivent avec ce qu'ils ont. Il n'y a aucune idéologie dans le truc, c'est pratique. Et il y a un passage à l'écrit citoyen qui commence par les textos. Ensuite, les gens commençaient à chatter dans les cybercafés sur MSN avec des pseudos.
et les casques sur la tête, on a débordé, voilà. Et puis après, arrive cette chose absolument géniale qui s'appelle un smartphone, qui permet d'avoir un clavier arabe si on veut, qui permet d'avoir des connexions sur Internet, etc. Et on a aujourd'hui 75% de la population marocaine qui est connectée, donc 92 ou 13% uniquement sur smartphone, et pas sur ordi, quoi. Donc voilà, bon, et donc les gens se sont appris à écrire, ont commencé à écrire, et au début les textos c'est salut, ça va, t'as bien mangé, qu'est-ce que t'as mangé, etc., n'importe quoi, salutations. Et maintenant on a des textes élaborés, j'ai fait plusieurs articles là-dessus, j'ai appelé ça elaborate writings, des textes de plusieurs pages en darija, en graphie arabe généralement, et qui sont soit des textes avec un contenu politique ou autre, soit des textes littéraires. Et ça. Le fait qu'on ait envie de passer à l'écrit pour les textes de la nouvelle scène, c'était parce qu'il y avait ce mouvement, quoi. C'était quelque chose d'important que de donner l'honneur d'une publication écrite à des textes d'une scène alternative, qui est d'une richesse incroyable. Voilà. Donc il y a aussi les thèmes qui sont dans ça, je vous en parlais hier, hein, retourner les stigmates, hein, revendiquer la zanka. Zanka, c'est la chose qui fait le plus peur, c'est là où les filles se perdent, c'est les horreurs qui vous arrivent, zanka. Eh bien nous, on est zankaoui, on a un style zankaoui, sans vulgarité pour autant, mais on est de la rue et on le revendique, quoi. Et donc voyez les textes, vous les avez montrés tout à l'heure, donc ça c'est graphie arabe ou graphie latine selon les auteurs. Et si vous voulez, je peux revenir un petit peu sur l'histoire de la Naïda ou Manaïda, d'ailleurs de ce mouvement, de la Movida, en quelques diapos. Donc 1999, c'est la création du boulevard des jeunes musiciens. Vous voyez, très important, très vite, il y a des graphistes et il y a un style dans les affiches du boulevard. Donc, c'est des groupes. Et vous voyez, ça, c'est le premier tremplin des jeunes musiciens, etc. C'est vraiment là. Donc il y a un style boulevard qui arrive. Et donc c'est dans cette salle des fédérations des hommes laïcs à Casablanca. Il y a tous les styles qui se regroupent, les rappeurs, les débutants, les danseurs, les métalleux qui sont parmi les premiers. Le métal a commencé vers 95, 96 au Maroc. Et voilà, donc. Et 2003, c'est une année charnière, absolument. Le Maroc a été bouleversé par cette année-là. En février 2003, 14 jeunes musiciens et amateurs de métal sont arrêtés par la police à l'aube. Sans savoir pourquoi, après avoir donné un concert dont l'affiche est là, Necros, Reborn et Infected Brain. Et ils sont très vite accusés d'ébranlement de la foi des musulmans, culte satanique, etc. Donc, une folie. Ils sont condamnés dans la foulée entre un mois et un an de prison. Et ensuite, il y a, pour la première fois, parce qu'il y avait toutes les années Hassan II et tout ça, pour la première fois, les gens sortent dans la rue, et tous les milieux sociaux confondus, se retrouvent pour demander la libération des jeunes. Et à peine ce mouvement est fini, le 16 mai de la même année, il y a les attentats kamikazes de Casablanca où 14 jeunes, c'est les mêmes chiffres, hein, 16 février, 16 mai, je ne crois pas aux chiffres, mais 14 musiciens et 14 terroristes se font exploser dans la même année. Donc tout change. Les islamistes sont priés de se mettre au placard. Pendant un an, on ne les voit pas. Et ça permet de libérer. Oh, la réforme de la Moudawana a pu passer à cause de ça. Nourdine Ayouch a commencé à dire « je vais créer une télé en Darija ». Elle a commencé sa lutte pour la Darija. Bon, il a fait des tas de... Il a fait un énorme boulot de pilote d'émissions qui ensuite sont maintenant tous les jours sur la télé marocaine. Voilà. Donc voilà la manif, vous avez des photos, on n'a pas beaucoup de photos, la photo elle est en haut, libérez nos jeunes maintenant. Ils ont repris la photo du concert et ils ont changé le slogan. Et ensuite ils font un concert une fois qu'ils ont été libérés, etc. Voilà, je vais essayer d'aller vite. Donc là, il y a l'émergence dans l'espace public de la Darija et de ce mouvement qui touche tout, qui touche la musique, le stylisme, les vêtements, le street art commence... La presse qui suit à fond, comme tel quel, avec Driss qui était encore à la direction du journal. Mais bon, c'est quelque chose qui n'a pas d'argent public. Hein. Tous les argents, c'est des sponsors. Donc dès qu'on veut museler, on dit aux sponsors, bon, ben, t'arrêtes. Donc voilà. Et donc c'est ce qui se passait souvent. Et puis après, il n'y a pas de professionnalisation. On n'arrive pas à vivre de notre art. Je parlais de la question financière ce matin.
Mais c'est vrai. Et il y a aussi une politique qui a été assez terrible et, à mon avis, contre-productrice, c'est que tous les festivals ont été gratuits. C'est-à-dire que la création musicale, la création quelle qu'elle soit, n'est pas payante. Mmh. Même pas le prix d'un paquet de clopes. Ouais. Et n'est pas protégée. Non, n'est pas protégé, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien, hein, il n'y a que du piratage, donc tout, donc on ne peut pas vivre de son art, quoi, donc ça c'est quelque chose. Et puis après, je voulais vous parler de l'explosion de certains lieux dans la ville de Gaza, qui ont permis, avant on se retrouvait au parc Yasmina, au centre parc de la Ligue arabe, le parc a été fermé en 2015, il vient de rouvrir, mais bon, c'est plus la même chose. Très vite, il y a les abattoirs, les anciens abattoirs qui sont donnés pour une période pour renouveler année par année, qui deviennent un lieu incontournable, mais à partir de 2016, c'est fini, c'est fermé. Il n'y a plus que le théâtre nomade qui a le droit d'y être. Il y a l'usine de Ain Sba, donc qui existe encore à Fondation Touria Tazi. Après, il va ouvrir la Fondation Alizawa de Mahi Bin Bin et Nabil Ayouch, avec les étoiles de Sidi Moumen, bon, qui, les étoiles qui sont en train d'essaimer dans tout le pays, Tanger, Agadir, Fès, Marrakech, etc. Donc là, il y a un film qui est en salle, ici en France encore, si vous pouvez aller le voir, qui parle un peu de Nabil Ayouch, qui parle de cette aventure. Et puis après, il y a aussi en parallèle des choses moins officielles, c'est-à-dire le DIY. Mais le DIY, au lieu d'être le « do it yourself », en Darija, ça donne le « dabr it yourself ». Débrouille-toi toi-même. Et donc, ça, c'était déjà la philosophie du boulevard, la philosophie. On a envie de faire les choses, on les fait. Et ça, c'est hyper important. Et la société civile prend le relais. On a des choses comme « Summer Lab », on a « Open Takafa », c'est-à-dire « Open Culture », des traductions. Et on a la BD, le magazine de BD magnifique qui est Skefkef, qui a 8 ou 9 numéros. Et voilà, on est. Ça, c'était jusqu'en 2015, etc. Bon, maintenant, les choses sont moins faciles, moins le boulevard, le Covid, Corona, etc. Bon, voilà. Donc, le livre, bon, j'ai fini mon PowerPoint. Donc, le livre, si vous voulez, c'était cet hommage à cette culture urbaine avec les photos, grâce à des photos. Grâce à une belle mise en page, grâce à une mise en valeur. Et les artistes, je peux vous dire, quand ils ont vu le livre, qu'ils l'ont eu en main avec leur texte, c'était une émotion, vraiment. Voilà, vous pourrez évidemment vous en procurer un exemplaire ensuite. Il en reste un, oui. Il en reste un, donc vous pourrez vous battre gentiment. Vous pourrez vous battre, oui. Peut-être pas la peine, mais bon. Non, mais c'est un très très beau livre. Et les artistes, justement, Dominique Cobet, qu'est-ce que ça leur apporte, intellectuellement, ouais. D'avoir certains de leurs textes qui sont écrits comme ça, et émotionnellement aussi? Est-ce que vous avez des retours? Ah bah bien sûr. Ça leur apporte une forme de reconnaissance qui n'est pas la même... Enfin, si vous voulez, les millions de vues sur YouTube, c'est énorme, là, les millions de vues sur Facebook, les pages Facebook, les likes, c'est énorme. Mais ça, c'est d'une nature différente. Le passage à l'écrit... Oui, parce que le livre est un objet sacré. Oui, c'est ça. Il y a l'objet livre. Et puis en plus, c'est... Hein, bon. Il est trop cher, ce livre. Mais en même temps, je ne sais pas comment vous dire. Il fallait faire ça ou rien, quoi. Donc... Oui, il est magnifique. Et donc, ça donne... Mais comment est-ce que vous avez, pardonnez-moi, comment est-ce que vous avez constitué ce corpus de chansons? Est-ce que... ça a été quoi votre méthodologie? Alors, est-ce que vous êtes promené sur YouTube? Est-ce que vous êtes promené dans les rues? Est-ce que vous avez discuté avec des copains? Pas besoin, parce que je les connais tous. En plus, j'ai coécrit ce livre avec Amin Hamma. Amin Hamma est l'un des 14 musiciens de métal, un des pionniers du métal au Maroc depuis les années 95-96, quand il avait 15-16 ans. Et il a été arrêté, et il est l'un des 14 musiciens. Donc il a vécu une chose terrible, terrible. Parce que quand on est militant politique, opposant, et qu'on vous frappe chez vous à l'aube, on sait pourquoi. Mais quand on est un jeune musicien, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais c'est un enfant.
Non, non, il a été arrêté à 20 ans ou 21 ans. Mais... Donc, c'est quelqu'un qui, grâce à qui, que j'ai connu d'ailleurs en arrivant au Maroc, dans une résidence où j'étais attachée à l'Institut français de Casa, sur la nouvelle scène, parce que je connaissais la nouvelle scène depuis 2 ans. J'avais rencontré Momo, qui est un des leaders du boulevard, un des créateurs du boulevard. Et en fait, si vous voulez, moi, je les connais tous, les musiciens, personnellement, parce que j'ai vécu en immersion dans ce milieu depuis 2005-2006. Donc, je les connais tous. Après, la difficulté avec Amine, c'était de faire une liste et de n'en prendre que 29. Mm-hmm. Parce qu'il fallait aussi représenter tous les genres. Donc, il fallait respecter un minimum d'équilibre. Donc, ça a été difficile. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi ils n'ont pas été pris, quoi. C'était... Alors, il y avait aussi un critère qui était, puisqu'on avait fait un CD avec au départ, il fallait que la qualité des enregistrements soit suffisamment bon pour qu'on puisse éditer un CD. Parce qu'on ne pouvait pas faire un CD avec des trucs pris sur YouTube et de mauvaise qualité. Donc, il y avait ça aussi qui est un peu injuste en un sens. Mais bon, si vous voulez, bon, après, c'est ça. Le choix, et en fait, on avait beaucoup plus de noms que ces 29. Quoi. Mm-hmm. Et on alors, a dû se limiter. Peut-être, avant de terminer, une petite question très, très, très concrète et très poétique. Est-ce que en Darija, comme dans toutes les langues, on sait qu'il y a certaines langues qui chantent plus avec certains styles que d'autres. Est-ce que là, parmi tous les différents styles de musique, il y a un style de musique dans lequel la Darija résonne beaucoup mieux, beaucoup plus facilement? Est-ce que, je ne sais pas, dans le métal, on entend beaucoup mieux la poésie de la langue, ou est-ce qu'au contraire, c'est dans le rap ou... Bah, là, si vous voulez, il y a des genres qui sont quasi parlés. Enfin, il y a d'abord le slam, qui est de la spoken word. Donc, il y a le rap, où normalement les rappeurs font attention dans leur diction à ce qu'on puisse comprendre leurs paroles. Bon, donc ça, c'est presque une évidence, quoi. Après, il y a un genre auquel on ne s'attendrait pas, qui est le punk. Ah ouais? Parce que le mouvement... Alors, je voulais vous dire aussi que j'ai fait un film qui s'appelle Dima Punk. Donc, il y a un film documentaire sur un jeune punk que j'ai suivi pendant, justement, presque 10 ans. Donc, et les groupes punk marocains, enfin, presque dans tous les pays, les groupes punk... Les métalleux, souvent, ils chantent en anglais. Mais les groupes punk, ils chantent dans la langue du pays. D'accord. Donc, le punk, le premier groupe punk marocain qui s'appelle... Zlokolamot, traduction littérale de skate or die, c'est-à-dire le truc des skaters, donc glisse ou bien crève, hein. Donc c'est ça le nom du groupe, et c'est absolument, c'est de l'autodérision, c'est magnifique, et c'est du punk hardcore, j'allais dire. Donc voilà, je ne vais pas m'abrêter une tombe. Merci beaucoup Dominique Cobet. Merci. Investissez le lieu le temps que je me... Oui, puis bien sûr, vous pourrez jeter un coup d'œil ensuite. Alors après, on va donner la parole à un livre, arrive. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ahmed, c'est Ahmed. Dans un tout autre registre, puisque celui-ci est théâtral, mais il va être néanmoins question de pédagogie et de transmission, on a le grand plaisir d'accueillir avec nous pour ces 2 journées Si Ahmed Maïssa, qui est... Massaya. Si Ahmed Massaya, qui est très connu de beaucoup d'entre vous, puisque c'est l'ancien directeur de l'ISADAC. Et puis évidemment, puisque c'est un critique universitaire éminent et théoricien du théâtre, qui vient de publier un très beau livre qui s'appelle Un théâtre de rupture, essai sur la jeune création théâtrale au Maroc. Alors évidemment, qui mieux que vous pouvait écrire ce livre, puisque les jeunes artistes d'aujourd'hui sont passés entre vos mains, si on peut dire, et que vous êtes aussi, c'est important de le souligner, toujours très 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 curieux de la jeune création marocaine contemporaine. Alors ce livre a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il se présente comme une pièce de théâtre en acte.
Donc on a acte 1, acte 2 et acte 3. Alors peut-être déjà pour commencer, vous pourriez nous indiquer un petit peu pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire ce livre pour présenter, donc en quoi le théâtre contemporain marocain aujourd'hui est un théâtre de rupture, et pourquoi présenter toute la vivacité de cette création en acte. Merci. Merci Marjorie. Très enchanté justement d'être parmi vous et de présenter ce livre qui m'a pris beaucoup de temps pour réfléchir un petit peu sur le titre déjà à donner à ce livre. Parce qu'on me pose souvent la question, en quoi consiste cette rupture? Pourquoi est-ce qu'il y a une rupture entre une génération et une autre au niveau théâtral au Maroc? Tout simplement parce que l'ISADAC est né vers la fin des années 80. Les premiers lauréats de l'ISADAC sont sortis en 90. La première troupe constituée par les lauréats de l'ISADAC en 94. Et tout de suite après, quelques années après, d'autres troupes, mais pas beaucoup, hein, deux ou trois troupes. Mais c'est à partir du changement de régime en 98, changement de régime, il y a un nouveau roi qui sous le sceau de la jeunesse. Il y a un nouveau gouvernement pour la première fois dirigé par un parti de gauche, l'USFP. Pour la première fois, on va réviser bientôt par la suite la Constitution, mais avant, il y a un air de liberté qui souffle en quelque sorte au Maroc, surtout en ce qui concerne la femme essentiellement. On commence à réfléchir sur la Moudawana. Il y a, bien entendu, avec l'arrivée des socialistes de Mohamed Achari, le fonds d'aide à la création théâtrale qui venait d'être instauré au Maroc. Et ça, c'est important parce que, pour la première fois, la création théâtrale va être soumise à une commission de manière démocratique qui dépose un dossier et les fonds publics sont distribués de manière plus ou moins démocratique parce qu'il y a une commission nationale, alors qu'auparavant les fonds étaient distribués selon certaines personnes qui avaient la part du lion, alors que d'autres évidemment n'avaient rien du tout. Ça c'est important parce que... Et puis surtout ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un changement, mais pratiquement à mon sens copernicien, au niveau de l'esthétique théâtrale au Maroc. Et donc, bien entendu, parce qu'il y a une formation académique, les lauréats de l'ISADAC qui sortent sont nourris des nouvelles technologies, surtout un théâtre post-dramatique, au sens de Lehmann, plutôt de Sarrazin que de Lehmann, qui va s'installer, qui va déteindre sur la création théâtrale au Maroc. On a parlé hier des sonographes qui ont joué un rôle très important, évidemment, les lauréats des ADOC. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on vient pour la première fois de connaître la scénographie, pas du tout, parce que Taïf Sidéré a toujours revendiqué justement cet aspect de la scénographie plutôt que le décor. Mais pour la première fois, les lauréats des ADOC, scénographes, vont être utilisés un peu partout, même les troupes de théâtre amateur qui travaillaient et qui n'avaient pas réellement des scénographes pour leur création vont faire appel à des jeunes lauréats de l'ISADAC, ce qui fait que ça va changer un petit peu. Et c'est ça en quoi consiste cette rupture entre un passé et un avenir qui va être, à mon sens, très florissant au niveau théâtral au Maroc. Oui, et puis l'ISADAC, enfin, on parle de rupture, mais j'ai l'impression aussi de ce que je connais de l'ISADAC,
de vous et de différents enseignants qui ont été élèves aussi parfois, si ce n'est souvent des ISADAC, qu'il y a vraiment une filiation entre vous. On pourrait dire qu'il y a une école, il y a un courant ISADAC, y compris dans la pédagogie. Oui, c'est vrai qu'il y a une filiation, parce qu'ils occupent désormais la scène au Maroc. Il existe encore des groupes ou de l'ancienne génération du théâtre amateur qui sont toujours sur la scène théâtrale marocaine, mais la majorité écrasante des troupes de théâtre sont issues de leurs membres sont issus de l'ISADAC. Et puis il y a eu justement, parce que le problème de l'ISADAC dès le départ, il s'est posé dès le départ au niveau pédagogique, au niveau de l'enseignement. Parce qu'on n'avait pas de, on n'a pas de formateurs, on avait des artistes de renommée, parfois internationale, mais pas de pédagogue au vrai sens du mot. Parce que c'est pour faire la part des choses entre le volet artistique et le volet pédagogique. Ce qui fait que l'ISADAC était obligé au départ, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Qui disait comment on peut ouvrir un institut académique sans enseignants. Donc ce qui fait, le directeur qui m'a précédé a eu cette idée intéressante, bien entendu, de faire appel à, pas, disons, les meilleurs lauréats de l'ISADAC, 4 enseignants, dans le but de les former petit à petit pour avoir une équipe pédagogique pérenne au sein de l'ISADAC. C'est ce qui a été fait. Bon, par la suite, bon, moi quand je suis arrivé à l'ISADAC, j'avais un autre point de vue, étant donné ce que j'avais entre les mains en tant, comme enseignant. Donc j'ai ouvert la possibilité de faire venir des metteurs en scène, des formateurs pratiquement du monde entier pour appuyer en quelque sorte l'équipe pédagogique qui était en place. Alors maintenant, et disons que l'ISADAC est pratiquement pourvu, assez pourvu de pédagogues, d'enseignants, qui bien sûr la plupart sont jeunes, mais je pense que dans quelques années, on aura une équipe pédagogique importante au sein de l'ISADAC. C'est question de pérennité, de formation et de maturité surtout avec le temps. Et alors, quelles sont les formes émergentes que vous avez vues apparaître au cours des 20 dernières années dans la création théâtrale marocaine? C'est arrivé, il me semble, très rapidement. C'est assez compliqué et il faut peut-être beaucoup de temps parce que j'en parle dans la deuxième partie. Comme vous avez pu remarquer, la première partie de ce premier acte de ce livre, c'est l'historique de l'ISADAC au niveau de politique, au niveau de la formation au sein de l'ISADAC, les stages et tout ce qui a trait à la formation au sein de l'ISADAC. La deuxième partie qui me semble plus intéressante et qui, j'espère, créera un débat au Maroc, je l'espère, parce que c'est mon point de vue au niveau esthétique, mais je pense que sans doute d'autres personnes auront une autre idée là-dessus, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés justement à catégoriser les genres, justement, parce que je me suis rendu compte que la plupart des troupes n'ont pas choisi un genre et s'y sont maintenus tout le temps. Quelques troupes, comme Tensift, qui fait de la comédie, elle a choisi ce genre depuis le début et elle s'y maintient jusqu'à aujourd'hui. Mais plusieurs troupes peuvent, par exemple, faire du théâtre de sensibilisation, un théâtre de la comédie, un théâtre d'image. Donc c'était assez difficile de catégoriser les vœux. Mais il y a une dominante donc, pour chacune des troupes. Alors il me semble que dans cette histoire d'une trentaine d'années
de l'ISADAC, c'est sa rencontre de l'activité théâtrale des 30 dernières années, ça se fait en deux temps. La première période, les lauréats d'ISADAC ont formé des troupes. Il y a eu un théâtre post-dramatique qui s'est mis en place, la plastique de la scène a changé, mais on est resté plus ou moins dans le théâtre conventionnel, plus ou moins. C'est, à partir de, je dirais, 2007-2010, dans les environs, ce qu'on appelle la nouvelle scène s'est mise en place, grâce évidemment à certaines troupes, dont celle de, qui me paraît l'expérience la plus fondatrice, fédératrice en tous les cas au début, qui est la troupe de Vatéâtre, qui a fédéré un certain nombre de lauréats d'ISADAC qui sont passés un moment parfois très court, comme Hassan Hakem, comme Mahmoud Chadi, Nassour, tous sont passés pratiquement à leur sortie de l'ISADAC dans ce groupe qui était assez important avec Khbar Moussrah et ainsi de suite, et qui ont formé des troupes et qui ont créé cette nouvelle scène assez intéressante, il me semble, évidemment, qui ose toucher à des sujets parfois tabous, et des spectacles qui sont vraiment très intéressants, tant au niveau thématique qu'au niveau esthétique. Donc il me semble que c'est à partir de ce moment-là qu'une nouvelle scène s'est mise en place et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, le théâtre au Maroc est en perte, en chute libre, pratiquement. Mais au demeurant, vous parlez aussi dans votre livre, vous consacrez une grande partie de votre ouvrage au théâtre de rue, en expliquant que le théâtre de rue se développe beaucoup, que ce n'est pas seulement la halkra, ou qu'elle est déplacée, qu'elle est intégrée dans d'autres types de mise en scène. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet essor du théâtre de rue? Est-ce qu'il correspond justement à une volonté d'aborder des sujets tabous dans des espaces où on peut les aborder peut-être plus facilement? Ou est-ce que c'est aussi conjoncturel? C'est-à-dire que quand on n'a pas la possibilité d'être programmé parce que ce qu'on propose risque de ne pas pouvoir être accueilli, on retourne au théâtre de rue où on va emprunter peut-être une pédagogie du théâtre de rue ou une idée qu'on se fait du théâtre de rue pour insuffler son esthétique et ses idées dedans. Oui, parce que j'ai donné beaucoup d'importance justement à cet aspect du théâtre de la rue, parce que ça me travaille depuis longtemps. J'ai écrit un livre sur le grand metteur en scène, homme de théâtre, Taïeb Sidéri, Le bon, la brute et le théâtre, où j'aborde cette problématique de la halqa, du théâtre de rue et de toute l'expérience de Taïeb Sidéri, et pas seulement Taïeb Sidéri. On a parlé ce matin d'Abid Qadr Aloula, il y a eu un moment où il y a eu une réflexion sur le théâtre de rue, qu'on appelle halqa ou hakawati ou autre chose, mais en tous les cas, c'est un théâtre qui s'est développé dans le Maroc, et puis c'est une tradition pratiquement. Ce qui fait que c'est une tradition qu'il faudrait que les lauréats de l'ISADAC ont voulu reprendre par le moyen du théâtre de la rue, mais ça s'est fait, c'est-à-dire ça a commencé par la volonté d'un lauréat de l'ISADAC, Imad Fijaj, et sa femme, son nom échappe, qui est aussi lauréat de l'ISADAC, aidé par l'Institut français de Casablanca. Il crée un festival, et puis le ministère, ce qui était une excellente chose, a réservé un budget tout à fait spécial pour justement ce genre de théâtre. Le ministère a créé un festival à Fès ou à Meknès, il me semble, sur le théâtre de rue, sur le halqa, en aidant certains dramaturges à écrire pour le théâtre de rue, ce qui a permis à beaucoup de troupes de travailler dans ce sens, et beaucoup de troupes se sont créées. Malheureusement, le budget s'est arrêté, tout s'est arrêté. Il n'y a plus pratiquement de théâtre de rue dans ce genre au Maroc, malheureusement. Comme il y a aussi une régression
énorme au niveau de l'activité théâtrale au Maroc, et pas seulement le théâtre de Rue Angelica. Mmh. Oui, et puis vous consacrez une partie de votre ouvrage aussi à la critique théâtrale, puisque le théâtre, c'est l'art du présent, c'est l'art de l'éphémère. Comment est-ce que toutes ces productions sont consignées et comment se porte la critique théâtrale au Maroc aujourd'hui? Alors là, c'est un, vous avez sans doute remarqué que le sous-titre, c'est « L'éloge ou le silence » de la réception. Parce que ça, c'est un problème énorme dans notre pays. C'est que je suppose que partout ailleurs, même en Tunisie, je l'ai vécu aussi, malheureusement, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer, de faire une critique objective sur les spectacles. Par exemple, on peut aller voir un spectacle qui, de la vie de tout le monde, n'est pas abouti, pour ne pas dire mauvais, et on n'a pas le droit d'écrire, de le dire. C'est surtout de l'éloge où on se tait, c'est tout, c'est, malheureusement. Alors, et c'est un phénomène tout à fait nouveau, malheureusement. Parce que dans les années 60, années 70, il y avait une pléiade de critiques de théâtre et des critiques très importantes qui osaient même, comme chef, critiquer les spectacles de Taïeb Sederi. Et c'est pas évident de critiquer Taïeb Sederi. On croit qu'on ne peut pas le faire, mais on peut le faire parce que même lui, il le demande, mais avec beaucoup de discrétion, parce que c'est un homme de théâtre d'un haut niveau, de quelqu'un d'une grande envergure, qui n'accepte pas les critiques malveillantes et gratuites, mais qui accepte, bien entendu, la critique objective. Et dans les années 60, 70, on pouvait le faire. On ne peut plus le faire. Il n'y a plus de critique de théâtre au Maroc. Il y a, bien entendu, parce que quand je parle de critique au théâtre, parce qu'il y a une critique très importante qui se fait au niveau de l'université. Il y a beaucoup de professeurs d'université qui écrivent sur le théâtre, sur la littérature dramatique, bien entendu. Maintenant, de plus en plus, grâce au forum que Khalid Amin a créé à Tanger, donc qui essaie de rassembler en même temps les critiques de théâtre issus de l'université et les praticiens qui viennent aussi dans cet espace qui me paraît très intéressant. Mais c'est ce qui manque, à mon sens, c'est la critique des spectacles. De temps à autre, mais ça, c'est-à-dire qu'on rencontre un spectacle au niveau descriptif, mais il n'y a pas une critique. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais c'est peut-être une section à inventer à l'ISADAC. À la fac des lettres. Ou à la fac des lettres de l'Agdal. Oui, ouais, je pense. Ouais. Ouais, ça c'est. Ouais. Oui, il faut peut-être. Il faudrait peut-être. On en a parlé depuis deux jours qu'on parle justement des problèmes du théâtre dans le monde arabe. Il me semble que le vrai problème, le problème essentiel, c'est l'éducation artistique. Parce que sans éducation artistique, tous les problèmes que nous avions soulevés depuis hier jusqu'à aujourd'hui vont s'agréger justement dans cette problématique. Parce que au niveau du financement, au niveau de la critique, au niveau de l'écriture théâtrale, parce que ça, il n'y a pas d'attrait. Tant qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'attrait pour donc le public est restreint et limité, Zohair l'a dit hier. Justement, et ce n'est pas possible qu'il y ait une activité théâtrale qui va dans tout le niveau de l'écriture théâtrale, de la critique, et ainsi de suite, le financement, la gestion. Il y a plein de problèmes qui se posent au théâtre au Maroc et je pense que partout dans le monde arabe, plus ou moins avec des différences, bien entendu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc pareil, le livre d'Ahmed Massaya, vous pourrez le retrouver. Il en reste encore quelques exemplaires, je crois, en vente.
Alors on va maintenant passer à la présentation du dernier ouvrage dont on va parler cet après-midi. Dernier ouvrage, mais pas des moindres. Voilà, je suis... merci beaucoup. Je suis très, très, très heureuse de parler de ce livre avec vous, puisque... Alors, bon, est-il besoin de présenter nos trois amis? Donc, vous avez pu écouter Muntajab Sakra ce matin. Mohamed Saif, bon nombre d'entre vous le connaissent, mais donc qui est universitaire, metteur en scène, comédien, critique, évidemment également l'un des trois auteurs de ce livre, et puis Omar. Et alors, ils ont écrit ce livre tous les trois, et c'est une expérience qui est assez inédite. Donc ça s'appelle « La mise en scène arabe contemporaine, expérience et itinéraire ». Et alors, il sera traduit en français bientôt, mais ce qui est très important de préciser avant de commencer, c'est qu'un ouvrage comme celui-ci n'existe pas dans le monde arabe, aussi bien au Maghreb qu'au Mashrek. C'est une grande première, puisque c'est vraiment une sorte d'état des lieux de la création contemporaine théâtrale par les artistes, coordonnés par nos trois amis, qui vont nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils ont procédé et comment est-ce qu'ils se sont découper les différentes sphères du livre et comment est-ce qu'ils ont interrogé les artistes. Mais vraiment, on est à la fois dans l'enquête, à la fois dans le recensement, la synthèse, et l'objectif de ce livre, c'est vraiment de montrer comment les artistes bâtissent, alors j'aime beaucoup cette expression, leurs citadelles imaginaires. Donc là, pour une fois, la parole est donnée, les universitaires ont une parole très précieuse, mais pour une fois, la parole qui est mise en avant, c'est celle des artistes, par le prisme de trois universitaires qui sont livrés, je crois, un peu à la même méthode pour tous les artistes dont il est question dans cet ouvrage. Merci Marjorie. Alors, quoi dire? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de ne pas être long. mes camarades expliquer. Alors... effectivement, ce livre, c'est le fruit d'une discussion, d'une réflexion menée à trois, en fait. Et chacun de nous, dans son coin, il se trouve qu'on avait la même réflexion, en fait. Et au fur de nos discussions, on s'est dit qu'on pensait la même chose et donc il y avait quelque chose à faire. Alors c'est quoi cette réflexion? Tout simplement, la réflexion, c'est qu'on a remarqué que... chacun de nous, donc, alors ce qui est intéressant dans le livre, c'est que chacun de nous vient d'une ère aussi bien géographique que culturelle, même si on partage la culture arabe-musulmane, mais Muntajab, il est syrien, il vit en France, Saif, il est irakien, moi je suis marocain. Donc déjà, c'était un avantage parce que chacun de nous a pu apporter une approche de son ère géographique, du théâtre qu'il connaît très bien. Donc chacun de son côté, même si Mohamed Saif, il connaît aussi bien le théâtre marocain aussi. Donc la réflexion, c'est quoi? La réflexion, tout simplement, c'est qu'on a remarqué que beaucoup de personnes, et notamment nous trois, on travaille dans la critique théâtrale, et beaucoup de critiques parlent d'expériences dans le monde arabe qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup critiquent, beaucoup écrivent sur des pièces et n'assistent pas aux pièces de théâtre. Mmh. Ça, déjà, on l'a remarqué, mais vraiment, on l'a vu de nos propres yeux, des gens qui ont fait, et quand on est allé discuter avec eux, ils disent même, non, j'ai pas vu la pièce. Alors nous, on se pose comment tu peux te faire une critique, une étude d'une pièce que tu n'as pas vue. Déjà, ça a commencé là. Et donc, petit à petit, on a remarqué qu'il y a un écart qui s'est créé entre, on n'a pas le temps de la critique théâtrale, de la réalité théâtrale, de ce qui se passe. Voilà. Autant on a, c'est Ahmed Misaïa, donc lui, l'exemple, la personne qui suit de près, il assiste, je sais très bien, à toutes les pièces, et les pièces dont il parle, les a vues et revues, autant il y a d'autres critiques qui n'ont jamais assisté aux pièces. Et donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est dit aussi qu'on a remarqué ces derniers temps, il y a une inflation théorique, vraiment une inflation. Il y a des mots qui s'utilisent comme ça parmi les critiques des universitaires. On entend post-dramatique, des mots. Nous, on vit en Europe, peut-être ça, c'est un point qui est important. On vit en Europe, donc on assiste à ces expériences post-dramatiques. Et quand on va dans le monde arabe, on voit qu'il n'y a aucun lien avec ces post-dramatiques que nous, on connaît ici en Europe. Donc on ne connaît pas, donc, et on a été surpris. Et on a trouvé qu'il y avait des transpositions de théories sur une réalité qu'on ne connaît pas, et désolé de le dire, qui est très pauvre, vraiment, pour dire la vérité. Donc tout ça, on s'est dit, bon,
il faut d'abord peut-être, c'est ça notre idée, de d'abord donner un matériau, vraiment. Ça, ce livre, pour moi en tout cas, mes camarades vont me dire, pour moi c'est un matériel de recherche, de travail. C'est-à-dire, on va partir voir ces metteurs en scène, surtout la mise en scène, et leur demander comment ils travaillent, nous parler de leur expérience, nous parler comment ils réfléchissent, comment les idées leur viennent, etc., pour qu'on comprenne un petit peu, même si c'est insuffisant, on sait très bien, mais comme première étape pour une approche, et l'idée c'est de rassembler, on a rassemblé 57 metteurs en scène et metteuses en scène dans le monde arabe, et vous allez voir quand vous lisez le livre, donc je suis content, je salue déjà, il y a des gens qui sont parmi nous qui ont participé à ce livre, Mohamed Zouhair, Mahmoud Shahdi, Ahmed Toubassi, donc Louhaibi, Ahmed Louhaibi, donc tout, voilà, qui nous ont, à qui on a envoyé les mêmes questions, une vingtaine de questions, à tous, et ils nous ont répondu. Et donc c'est leur voix qu'on a essayé de transmettre ici. Notre voix en tant qu'universitaire, elle est minime. On a organisé, on a orienté un petit peu, mais sans vraiment, on a fait attention à ne pas, je dis orienter, c'est pas, bon, c'est pas bien, on n'a pas orienté, on a juste donné des structures, des axes, etc., et on a laissé la voix, c'est pour ça que la voix est très présente, des fois c'est un peu dur, mais quand on les entend, et c'est au lecteur, au chercheur, de faire son idée, et de lire, et savoir ce qu'il y a. Voilà, je ne veux pas être trop long, je passe la parole à Mohamed. Merci Marjorie, merci Omar à cette présentation. Réellement, si on veut parler de ce livre, on parle beaucoup de choses, parce qu'on a vécu ensemble pendant un an et demi, entre les questions et les réponses et les façons d'assembler ces questions, et etc., etc. Et ce qui est très important dans ce livre, je crois qu'on a demandé aux metteurs en scène qu'ils parlent ou qu'ils laissent leurs expériences qu'ils parlent, sans aucune prétention théorique. On a demandé qu'ils parlent de la réalité théâtrale, artistique, et leur démarche, comment ils naissent l'idée des spectacles, comment ils réunissent autour de lui des collaborateurs, et etc., etc., et sans y aller vers les théories de Stanislavski, ou Meyerhold, ou Fartinkov, ou Libimov, etc., etc. On a voulu que les metteurs en scène qui se mettent nus devant le lecteur pour qu'on sache comment on peut fabriquer ou créer un spectacle dans un monde arabe, qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'aide, de subvention comme ce qu'il y a en Europe. C'est-à-dire, dans ce livre, il y a beaucoup d'étapes. Pratiquement, on atteint toute l'étape de fabrication des spectacles, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à le récepteur, les critiques même, les critiques du spectacle, et le rapport entre les metteurs en scène et ces critiques-là. Donc vraiment, c'est un livre varié, a beaucoup de choses à dire. Et ce n'est pas nous qui l'a dit, c'est eux-mêmes qui ont parlé. Nous, tout simplement, on a donné nos forces, nos connaissances, pour présenter l'autre, pas présenter nous. Et c'est-à-dire le côté égoïste d'un écrivain ou des trois écrivains, ici, vraiment, il est disparu. Et même au niveau du financement de ce livre, c'est nous qui l'a financé, c'est nous qui a payé de notre propre poche, rien pour qu'on ne laisse pas d'autres organismes qui nous forcent à prendre tel ou tel metteur en scène. Donc vraiment, c'est un livre pour nous, metteurs en scène. Les metteurs en scène qui ne sont pas connus dans le monde arabe et occidental à la fois, parce qu'on a découvert, même entre les metteurs en scène eux-mêmes, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire Mahmoud Shahidi, on ne le connaît pas en Irak ni en Syrie. Et peut-être en Algérie, peut-être en France, on ne le connaît, mais pas ailleurs. Donc c'est une occasion que 57 metteurs en scène, hommes et femmes, et en plus il y a 14 femmes metteurs en scène, ils vont exprimer d'une manière magnifique et fabuleuse leur façon de penser, de leur mise en scène, de leur concept. Et vraiment, en tout cas, nous, en écrivant de ce livre-là, nous étions heureux. Moi, je prétends que je connais le monde arabe plus, un peu plus que les autres. J'étais heureux aussi de découvrir autre chose. Et voilà, je vous remercie. Je laisse les paroles à notre collègue Montajab. Merci Saïf, merci Omar, merci à vous tous.
je suis très heureux de signer ce livre, en fait, pour la première fois à Bordeaux. Oui. Et merci pour l'organisation, enfin, la belle organisation d'Orma, et même de ses collègues. C'est vrai que c'est le fruit d'un travail, c'est difficile, c'était rigoureux aussi, il faut dire. On a travaillé énormément sur la présentation des axes. C'est-à-dire qu'au début, on a fait des réunions quasi toutes les semaines. Une fois par semaine, des fois une heure, deux heures, trois heures. C'était soit samedi, soit dimanche, ouais. Je me rappelle bien. Au départ, en fait, l'idée c'était simple et net. Je voulais un livre sur la scénographie. Après, Omar, il a dit non. La scénographie, c'est mineur, la mise en scène. Après, Saïf, il a proposé l'idée des trois axes. C'est vrai que c'est, chacun doit quelque chose. Il a dit trois axes, 21 questions. Omar, il a dit il travaille en recherche. Moi, je voulais question-réponse. Après, non, ce n'est pas le journalisme. Ouais. On avait du mal à démarrer avec cette idée. Après, petit à petit, on a unifié le travail et il y a eu présentation. Et donc, grâce aussi au contact de Saïf, il faut dire que connaît, il a une connaissance dans le monde arabe, d'auteur, metteur en scène. Il nous a beaucoup aidés dans la prise de contact. Et surtout, je salue les metteurs en scène qui nous ont aidés, qui ne sont pas là, comme Ahmed Chenirri, qui m'a mis en contact avec tous les Algériens. Vous voyez, Saïf, qui a contacté les Égyptiens. Grâce à. C'est-à-dire, chacun, il a attribué. Exactement. Chacun a un rôle. Après, on s'est lu. Et lui, il m'envoie un chapitre. Je lui envoie le mien. On se fait des remarques. C'était un travail de recherche plutôt pour, comme il a dit, pour éviter les redondances ou bien les critiques qui n'ont rien à voir avec la mise en scène, des fois. Et quand dans un article, on l'a écrit déjà dans l'introduction, dans un article sur le théâtre, on cite le metteur en scène avec une phrase ou deux, même pas. Des fois, on ne sait pas. Alors là, c'est lui qui parle. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On présente la notion, par exemple, du public, bien la réception théâtrale, on sort avec des conclusions. Et c'est ça l'importance de ce livre, c'est que ce n'est pas nous qui parlons, comme il a dit, on structure, on oriente d'un axe à l'autre, jusqu'à la conclusion générale. Et je trouve aussi que ce livre doit être enseigné, à mon avis, hein. Ça c'est le niveau personnel, dans les académies et les universités au monde arabe, et enseigné même. Parce que c'est la première fois qu'on voit naître un livre qui réunit justement des expériences différentes, riches et même jeunes. Je te rappelle, il y avait des metteurs en scène qui étaient jeunes. Ouais. Alors, c'est qu'il dit, Marlèche, c'est pas grave, on les invite. Ouais. Maman, il me dit, mais c'est des jeunes qui, quand même, ils ont une voix différente. Il ne faut pas chercher les grands noms. Ça, on a cru aux nouvelles expériences comme aux grandes. Comme on a été aussi, si vous voulez, pas, je ne dirais pas rejeté, mais on n'avait pas eu de réponse. J'ai contacté trois fois Naïla Otras, une grande dame aussi dans le théâtre syrien, pas eu de réponse, elle était occupée, soi-disant, enfin, parmi d'autres aussi, il faut dire. On a rejeté par beaucoup de monde, de nous avoir répondu. Moi, j'étais frappé par des amis même, des amis, ils ne répondent pas. Pourquoi? Et nous, alors, on travaille sur comment, eux. Comment est-ce que vous expliquez cette réticence? C'est quand même, a priori, surprenant. Ça, c'est une hypothèse. On a écrit dans l'introduction, on a mentionné ça. Il y a des gens, par exemple, on les a contactés pour que nos réponses nous a répondu. Moi, personnellement, répondu, oui, on va t'envoyer des questions, mais ils ne m'ont jamais envoyé des questions sur le prétexte, ça veut quoi? Il a un tournage de série télévisée. Exactement. Voilà, on tourne vers la télé. Il y a d'autres, il m'a dit, j'arrive pas à écrire sur moi-même. Est-ce que je peux déléguer quelqu'un qui écrit sur moi? Il y a des gens qui ne nous ont même pas répondu. Ça veut dire qu'ils s'en foutaient complètement. L'essentiel pour nous, c'était quoi? Nous, on a envoyé les questions avec des gens qu'on le connaît ou on ne le connaît pas. Pas forcément tous les metteurs en scène ici qui sont là, on le connaît absolument pas. Chacun de nous, il connaît quelques-uns, mais on le connaît par les noms, par les pays. Bref, ce qu'on a voulu, en fin de compte, on a voulu dans ce livre, créer un dialogue entre des metteurs en scène autour de thèmes différents, sans qu'ils se voient, sans qu'ils se rencontrent autour d'une table. Donc nous, les trois, nous étions l'intermédiaire entre ce metteur en scène, c'est nous les tables qui le réunissent ces gens-là. Exactement. Donc ça, c'est ça le but. Le but, comment les metteurs en scène arabes, ils pensent par rapport à la scénographie et la dramaturgie. Comment
et il traite les problèmes du comédien, l'égoïsme, le moi chez les comédiens. Tous ces points de vue, je trouve très important pour fabriquer un spectacle. Comment elle produit, comment elle ramène de l'argent, comment l'idée est née dans sa tête pour faire un spectacle. Et tout ça, on a créé plusieurs dialogues sur plusieurs points de vue différents dans l'étape des présentations. Et voilà, c'est ça les fruits, en fin de compte. Mais maintenant, c'est lui qui ne nous a pas répondu. C'est son problème, réellement, ce n'est pas le nôtre. Nous, tout ce qu'on a voulu, on a voulu le présenter. Maintenant, lui, il ne veut pas, ou il regrette, ou il voit qu'il est plus haut que nous, ou il est plus haut que le projet elle-même. Ça, c'est autre chose. Et oui, c'est les contraintes, pardon. Non, mais il y a un point extrêmement intéressant dans ce que vous dites tous les trois, c'est la question de la création. Comment naissent des idées, comment naissent des thèmes? Est-ce que vous avez, alors j'imagine qu'en ce qui concerne la production, ça ne se recoupe pas forcément, mais excusez-moi parce que ça l'harcèle trop et vous m'entendez, je pense. Comment est-ce que vous avez trouvé des points communs dans les processus de création, dans la façon dont l'imagination se met en place? Je ne parle pas de la production parce que là on rentrerait dans des choses trop spécifiques, mais ce qu'il y a de très intéressant dans votre démarche à tous les trois, c'est qu'en évitant aux artistes de se confronter, oui, vous leur évitez aussi de s'influencer et de rentrer dans une guerre d'ego où chacun veut montrer, oui, qu'il a été le premier à parler de ceci alors qu'on ne parlait, oui, pas de cela, oui, etc. Mais est-ce que pour vous, dans les différents fils que vous avez tirés, il y a des correspondances quand même au niveau, oui, de la création, oui. Et est-ce que c'est thématique et qu'est-ce que, oui, ça concerne? Donc c'est, sur cette histoire de l'influence, elle est très intéressante, et avec mes collègues, avec Seif et on a eu des discussions, si vous vous rappelez bien, mm-hmm, un peu des fois des discussions très vives sur la façon de poser les questions. Ouais, exactement. Et la façon de poser les questions, combien de fois, vous vous rappelez, moi je tenais beaucoup à ça parce que c'est mon côté universitaire, c'est que la question doit être objective, il ne faut pas orienter, il ne faut pas dire que est-ce que le théâtre est la vie. Non, ce n'est pas une bonne question, ça. Parce que déjà, tu lui dis ce que c'est. Non, qu'est-ce que le théâtre? Oui, pour toi. Bref, on a beaucoup travaillé sur ça. Et bien sûr, il y a des choses qui se ressortent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être notre travail a été un petit peu de dégager ces axes-là. C'est-à-dire, des fois, on a une partie, chaque chapitre, on a Kholasa ou Sintajat, donc on a une sorte de résumé, etc. à la fin. On dit, on signale les choses qui nous ont paru, qu'ils ont en commun ces auteurs ou pas. Et c'est comme ça qu'on a structuré un petit peu. Et alors, sur, par exemple, je vous donne un exemple sur ce qu'on a remarqué sur l'idée. L'idée, par exemple, l'idée, comment naît, on a posé cette question, comment naît l'idée d'un spectacle chez nous? Voilà. Ça, c'est une question très intéressante. Et on a eu des réponses différentes. Et on a catégorisé. C'est-à-dire, par exemple, on a trouvé les gens qui disent que l'idée, pour eux, vient d'un texte. Et ils expliquent. Il y en a d'autres qui disent que l'idée vient de n'importe quoi. De musique. D'une musique, d'une rencontre. Les autres qui disent qu'ils avaient l'idée en tête, mais ils ont trouvé un texte qui correspond à leur idée. Donc, chacun, comment il trouve. Par contre, alors, par exemple, il y en avait toutes ces catégories. Mais, quand même, par exemple, le point commun entre tous les auteurs, les metteurs en scène arabes, c'est le texte est très important quand même pour eux. Ça, quelque chose qui revient. Même il y en a qui associent l'idée au texte. Pour eux, quand ils parlent d'idée, ils parlent de texte. Je cherche un texte. Ah non, je cherche une idée. Donc, le texte est important. Et ainsi de suite. On a pas mal de choses où, voilà, on a parlé aussi de la formation théâtrale. Ça, c'était génial. Pour nous, comme dit, c'était une découverte. C'est la première fois. Super. On a tout le monde nous a parlé comment il a été formé. Et on a découvert qu'en Syrie, c'est pas pareil, mais avec des détails. Comment, les années, quel mahad, quel institut, comment ça se passe. Il y en a qui ont des sections de mise en scène, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont d'autres sections, il y en a qui ont suivi le théâtre, ils ont appris le théâtre à l'université. Les Libanais, par exemple, on a découvert que les Libanais, la plupart, viennent de l'université, parce qu'ils n'ont pas d'institut indépendant, ce qui influence vraiment leur façon de dire. Donc, il y a énormément. Franchement, tous les trois, à la fin, on s'est dit, quand on a fini le livre, on a appris beaucoup de choses. C'est énorme. D'ailleurs, je dis encore, je suis désolé, mais encore, on n'a pas pu tout mettre. Sinon, on aurait un truc de 1000 pages. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on a fait des choix. Donc, on a aussi l'idée, on aimerait bien, après on verra les moyens, ouais, de publier
toutes les réponses de ces auteurs telles qu'elles. Telles qu'elles. Voilà, brute, hein, une matière brute. Voilà, nous on a orienté, mais que les gens, les chercheurs vont chercher parce que, comme je dis, c'est énorme. Et voilà. Donc, Et le but aussi, c'est de traduire ce livre-là. En français, en anglais. Le plus tôt possible. Parce que le but, c'est pas seulement le monde arabe. Le but, notre but était que l'Occident qui connaît ces metteurs en scène. Parce qu'à travers l'histoire de ces metteurs en scène, il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup de choses sociologiques, politiques, artistiques, personnelles. C'est quelque chose de formidable. Vraiment, moi, c'est parmi les gens qui ont participé à écrire ce livre, et chaque fois qu'on lit ce qu'on a fait, et ça me fait plaisir. Je dis, est-ce que c'est nous qui l'a fait, ce livre-là? Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ajoute sur le travail collectif dans le monde arabe, il est rarissime. Rare en plus. Oui. Et quand j'ai parlé avec l'ami Adonis, qui m'a dit, je salue tout le monde, il m'a dit, ça me rappelle l'expérience de Chaab. Chaab, dans les années 60, Youssef El-Khal, il a accueilli tout le monde, parce qu'il était beaucoup plus aisé. Il a invité des Syriens, des Libanais, même des Irakiens, des intellectuels du monde arabe. Il m'a dit, là, c'est un premier pas vers une démarche de critique collective. Notre aussi, parce que comme il a dit Saïf, on a refusé que ce soit, en fait, par le biais d'une institution, pour pas subir la Raqaba, ou la Wusaya, ou la... Appelez-la comme vous voulez. Donc, du coup, les contraintes, déjà, soit les CV certains metteurs en scène nous ont envoyé leur CV en français ou en anglais. Je devais traduire. Quatre pages. Comment traduire un titre que je ne connais pas, que je n'ai pas vu, par exemple? C'est difficile des fois. Des fois, la difficulté aussi, c'était la non-réponse. On insistait, on n'a pas de numéro de téléphone. Allez, Omar, s'il te plaît, appelle le Maroc. appelle les Émirats, on n'a pas de réponse. Le Soudan n'a pas de réponse. Les Syriens, ils ne peuvent pas bouger. Parce que si je connais lui, il ne répond pas. J'envoie un ami parce qu'il le rappelle. On a le numéro. Les Liban, ils étaient rapides. Des fois, en fait, ça, c'est un travail de labeur aussi, parce qu'on était patient, il faut dire. Et surtout, quand je reçois, par exemple, un article, enfin, un axe, mon collègue, nous trois, ou l'autre, il reçoit, il faut que ce soit homogène. C'est Omar Nazi, enfin, au début, chacun avait sa propre façon d'écrire. C'est difficile d'écrire un livre. Essayez-le une fois. C'est difficile parce qu'on n'a pas la même méthodologie. Moi, mon obsession, c'est la méthode. Exactement, c'est pas la méthode. La méthode, c'est grâce aux discussions. On a commencé par un question-réponse pour sortir un livre de recherche. J'espère, aux prochaines étapes, enfin, d'abord, comme il dit Saïf, éditer un livre question-réponse parce que ça, c'est rien par rapport à ce que nous avons reçu. Vous avez posé une question concernant les points de rencontre. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses, comme mes collègues. Par exemple, le rapport. Qui vous a incité? N'est-ce pas, c'était une question au théâtre. Ma mère, mon père. Il y avait des réponses qu'ils ne se connaissent pas. Ouais. En Kurdistan, comme au Maroc, la même réponse. La réception du public, par exemple, comment vous la sentez? Il y a aussi cette question, c'est quoi votre rapport? Il y a des Syriens qui disent, effacez cette question. Par exemple, c'était beau d'avoir, même en Arabie Saoudite, on a vu une seule réponse, du Koweït. C'était beau, ce travail panoramique, si vous voulez, au point de vue de création, de formation, de rapport. C'est trois axes, formation, création, comment vous créez le spectacle, et rapport avec l'ensemble des clips. Donc, à mon avis, c'est un projet qui mérite d'être enseigné, et traduit et complété. Ce que nous, on espère, comme le dit Omar, par d'autres démarches, que ce soit sur le jeu d'acteur ou bien l'écriture. En fait, nous avons, en fait, moi je suis très heureux de faire partie de ce livre et j'espère qu'il aura le mérite, la place qu'il mérite dans les enseignements, même plutôt les critiques ou bien la traduction. Et je trouve que c'est aussi, il y a des choses à ajouter concernant, peut-être un jour, peut-être une réunion virtuelle sur le livre ou une discussion qui mérite, bien peut-être par d'autres personnes qui l'ont lu, nous. Parce que nous, nous sommes trop collés au livre. On ne peut pas juger comme peut-être vous. Ce qui est important dans ce travail-là, on a laissé notre ego à côté. Exactement. Ça, c'est très important. Je crois, quand on veut réussir, quoi que ce soit comme projet, il faut vraiment l'ego, on laisse à côté, on travaille. Parce que nous, la plupart de nous,
nos projets dans les sociétés arabes, au fur et à mesure, il devient ligot grand. Exactement. C'est ce qui vraiment coule tout. Donc nous, on est parti sur un seul principe. On va faire ce livre, on va travailler ensemble, il n'y a pas de patron, pas un de mieux que l'autre. Le seul patron, les réponses de Mitterrand. Donc on a travaillé dans cet esprit. Ce qu'on reçoit, ce que je reçois des montagères de remarques ou d'une remarque là, je l'accepte volontiers, parce que j'en ai besoin. Le fait que je suis avec eux, il faut que je l'accepte. Exactement. Sinon, ce n'est pas la peine d'être avec eux. Donc on a travaillé dans cet esprit. On a travaillé dans cet esprit qu'on est en train de servir un projet collectif. C'est une bonne leçon aussi pour les autres aussi. C'est ça le travail d'un théâtre, la mise en scène, ou le travail à fabriquer un spectacle, c'est comme ça, metteur en scène, comédien, dramaturge, scénographe, c'est un travail collectif. Mm-hmm. Il n'y a pas un moi, le moi n'existe pas. Et basé sur quoi cette moi-là, cette grandeur-là, basé sur quoi? Mais on est tous en train de lire et écrire et... Oui. Mais j'imagine aussi que vous avez rencontré certaines réticences de la part de certains artistes pour collaborer ou pas. Non. Est-ce qu'il y a des pays, par exemple, qui sont moins présents que d'autres? Oui, oui. Lesquels et comment est-ce que vous l'expliquez? Les pays du Golfe. Ouais. Ils sont moins présents, les pays du Golfe. Par exemple, l'Émirat, il y avait, à ma connaissance, 3 metteurs en scène. Et on les a invités de nous répondre à nos questions. Ils m'ont promis, oui, on va vous répondre, mais ils ne m'ont pas répondu. L'Arabie Saoudite, pareil. Et je contacte 7 ou 8 metteurs en scène, il n'y en a que 2 qui sont répondus. Et le Bahreïn, personne. Il y a, par exemple, la Mauritanie, on n'a pas pu avoir, on a un seul metteur en scène. Il ne nous a pas répondu. Donc, il y a certains pays où on n'a pas pu les mettre. Bon, en fin de compte, on n'a pas en train de faire un encyclopédie. Mm. Donc, ce n'est pas un travail d'une encyclopédie. Non, du tout, du tout. Nous, on a voulu tout simplement mettre lumière sur l'activité théâtrale et l'expérience des metteurs en scène dans le monde arabe, qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être connus, entre eux d'abord et à l'extérieur. Donc, on a réussi, disons, 50%. De rassembler des gens. Bien sûr, quand on a présenté le livre en Égypte, il y a des gens qui nous ont... Ah oui, et ils n'ont pas d'accord parce qu'on ne l'a pas choisi à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est normal. Oui. C'est normal. Ah. Mais on leur dit, on n'a pas en train de faire un scopili. Vas-y, vous avez des institutions, fais-le. Fais-le à nos places. Nous, on l'a fait par l'amour pour le théâtre. C'est tout. Maintenant, voulez-vous un truc à faire administratif, rigoureux et machin, et vas-y, il y a de la secrétaire, il y a l'imprimerie, il y a de l'argent de la ministère de la Culture. Nous, on n'est pas ça. Nous, la secrétaire, nous qui téléphone. Et moi, mon enfant, il connaît 2 personnes de mes amis maintenant. Quand ils sont sur mon téléphone, il m'a dit... Sans le regarder, c'est Omar Fartat. Montajab. Parce qu'on n'arrête pas de faire tout à la fois. On s'appelle, j'appelle l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, la Syrie, Omar, Tad. On est vraiment. Mais alors, juste avant de donner la parole à la salle, peut-être une suggestion à nos 3 mousquetaires du théâtre contemporain. Et peut-être pour vous donner un petit peu plus de travail aussi, après ce premier tome sur la mise en scène, oui, on parlait tout à l'heure de l'importance des auteurs et de l'importance du texte. Est-ce que vous pourriez faire la même chose avec les auteurs contemporains? C'est un projet en train d'élaborer. Ça va être complété. En fait, voilà, le projet, voilà. On va voir, parce que quand même, malgré tout, comme dit Seif, c'est un travail exténuant quand même. Vraiment, ouais, ça nous a pris beaucoup de temps. Énormément. Et chacun, nous, on a beaucoup de choses à faire. Ouais. C'est pour ça que j'insiste, et je le dis, je le redis, c'est un travail incomplet, c'est un début. Vraiment, il ne faut pas non plus, c'est pas... C'est un travail expérimental, c'est un premier truc, mais voilà, il reflète la limite aussi de nos possibilités. On n'est pas une institution. Ouais, on a fait, donc, les Égyptiens...
Les Égyptiens, c'est vrai, les Égyptiens nous ont posé une question, ils ont raison. À un moment, moi, je dis, oui. Ils ont raison. Oui. Comment vous avez choisi? C'est une bonne question. Comment vous avez choisi les metteurs en scène? Mais on les a choisis en fonction de nos moyens et nos connaissances. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez choisi ceux qui ont eu les prix, etc.? Non, 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 non. Par exemple, j'ai dit, en fonction de nos fonctions, moi, le Maroc, vous allez trouver quand même, si, les Marocains, ici, les metteurs en scène les plus connus, les plus actifs, ils y sont, tous, pratiquement. Tu vois, parce que je connais le terrain. L'Irak, on a beaucoup d'Irakiens. Ouais. C'est vrai, l'Égypte, on a choisi en fonction des connaissances, des gens pour les contacter. Et ça fait un truc éclectique qui est très intéressant. C'est-à-dire, vous trouvez quelqu'un comme Mazen al-Gharabaoui, par exemple, taxé État, etc. Mais à côté, vous trouvez Leïla Souleymane, par exemple, voilà. Que personne ne connaît en Égypte. Quand on parle d'Égypte, je reposais la question, vous connaissez Leïla Souleymane, ils me disent non. Et comme Amir Ali Hajid. Voilà, une autre génération. Noura Amin. C'est, c'est le fruit des rencontres qu'on a eues au Maroc, à Tanger, ici. Hassan est là. Oui, pardon. Mais je crois que même ils ont parlé hier de Hassan Greitli. Tariq Dweri, j'ai la conversation sur WhatsApp. Mais non, on l'a appelé. Hassan, j'ai appelé. Il n'a pas répondu. J'ai discuté avec lui, il n'a pas répondu. Il m'a envoyé un article. Mais ouais. Monsieur, ce n'est pas un article, je ne suis pas journaliste. Je suis chercheur. Ouais, on a après, on était. Questions. Il a dit rejeté. Moi, j'ai senti plus que ça. Des fois, quand j'envoie, je suis pas un gamin pour envoyer un mail, plusieurs mails, pour qu'on me répond pas. Alors que moi, je travaille pour toi, pour révéler ta voix. Et j'ai un ami de la fac depuis 20 ans. Il me répond pas par mail, alors qu'on était collègues pendant 10 ans. Je trouve que c'est, en fait, c'est un travail humble. Il mérite d'être communiqué. Tariq Dweri aussi n'a pas répondu. C'est dommage. Objectivement, on peut saluer le travail que vous avez fait. Excusez-moi. D'abord, cet esprit collectif. S'il vous plaît. C'est extraordinaire. J'ai une petite remarque par rapport au titre. Je vois que le titre, c'est un peu... Est-ce que les gens dans la salle peuvent ne plus parler et Hassan le perd un petit peu micro, sinon, là. Prends. Ouais. Prends le micro. Vas-y. Je dis bien, voilà, on ne peut que saluer l'effort que déployé par les trois amis, Tabertal. Tant que il y a un esprit collectif, ça c'est extraordinaire. J'ai une petite remarque par rapport au titre. Oui. Je trouve que le titre c'est un peu classique, c'est un peu académique. Et voilà. J'aurais aimé par exemple un titre un peu métaphorique, pourquoi pas, pour un peu voilà. Voilà, c'est la seule remarque. Hassan, on a pensé à ça réellement. Ouais, on a essayé une discussion. Ouais, mais on a vu Hassan. Merci pour la remarque, elle est pertinente. Ouais, elle est très importante ce que vous avez posé comme question. Mais on a pensé qu'on veut rester près de la mise en scène. On a voulu mettre un truc métaphorique, un peu poétique. Omar m'a dit non, reste à côté de la mise en scène. Donc voilà, Omar était supervisé, l'écouter vraiment terre à terre, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'ai un côté un peu... tu vois? Mais c'est vrai, ça c'est une discussion, on va vous raconter un peu les coulisses du travail. Les coulisses du travail c'est quoi? Alors on s'est trouvé quand même, il y a un critique, il y a un traducteur, il y a un universitaire qui est au milieu, un universitaire quand même qui est un peu formaté, un peu... français, occidental, etc., une méthode, etc., hein, la Pascal, quoi, la méthode. Et c'était beaucoup de débats. Eux, quand ils écrivent, c'est Barthes. Ils veulent écrire et bien écrire, ils partent dans des choses. C'est bien, c'est joli, mais j'ai dit non. Moi, non, je suis désolé, parce que je souffre des fois quand je lis des choses comme ça. Parce que je lis, je comprends rien. Je dis, il faut dire le minimum. Quand vous écrivez de la critique, oui, ça passe. La critique sur une pièce, oui. Mais quand tu veux parler d'une expérience, ça ne sert à rien. Allons-y directement. Le travail, c'est un travail de réflexion qu'il faut qu'on fasse. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Quels sont les points de rencontre? Quels sont les points de divergence? Quels sont les... Voilà, structurer pour avoir un truc clair, net. Hein? Ce qui conçoit bien, s'énonce clairement. Moi, je veux un... Voilà. Et donc, on était... Et le titre, ce qu'on a, bien sûr, c'est... D'ailleurs, tu vois comme quoi ça sert. Parce que tu as dit un truc, c'est Saïf qui l'a dit, c'est... Les citadelles imaginaires. Hein. Non, je l'ai laissé d'ailleurs. C'était joli. Les citadelles imaginaires. Bon, c'est joli. Mais à un moment, quand tu es dans le vif du sujet, il faut être précis aussi. Les termes, faut surtout, on a cette responsabilité de transmettre la parole des autres aussi. Il faut qu'on soit précis. Il faut pas. Parce que quand on commence à faire de la métaphore, etc., on commence à interpréter un petit peu. Ouais. Et ça, il faut garder de la subjectivité de l'interprétation. Et le titre. Alors, en parlant du titre. En parlant du titre, on nous a reproché aussi le titre, parce qu'on était quand même précis dans le titre, pour éviter ce
qu'est-ce que... Il y en a un, je ne citerai pas le nom, metteur en scène très connu en Égypte, qui a pris la parole en disant « Vous avez dit la mise en scène arabe contemporaine, mais ce que vous avez écrit ne représente pas la mise en scène arabe contemporaine, parce que lui, il n'y était pas déjà. » Et non, je lui dis « Écoute, chaque mot a son importance. Est-ce que vous avez lu le sous-titre ?» Voilà. Parcours et itinéraire. On n'a pas dit la mise en scène contemporaine. Parcours et itinéraire, c'est très important. Certaines expériences, on n'a pas eu la prétention de parler de toute la mise en scène contemporaine. Mais... Il y a Mahmoud. Attendez, avant que Mahmoud, ce livre-là, il était le double. C'est-à-dire, on a écrit le double de ça. Mais au fur et à mesure, quand on relit, on coupe, on fait le montage, tout ça. Sinon, on a pris, au début, on a écrit ce qu'on veut écrire. Après, nous, on a commencé à faire le montage, à trois, jusqu'à ce qu'on arrivait à ce livre-là. À fond. Moi, surtout, je veux vous remercier. Merci à toi. Merci à toi pour toute ta participation. Des autres metteurs en scène, parce que ça aussi, il faut dire merci. Parce que souvent, quand on est dans l'action, on est dans la réflexion, la création, on nous dit souvent de mettre des mots parce qu'on travaille avec autre chose. On travaille avec l'imaginaire, on travaille avec des métiers, on n'est pas vraiment dans le concret. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Quand on est vraiment débordé, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, moi, il fallait partir à Shaoun pendant 2-3 jours pour trouver le temps vraiment de couper pour répondre à ces questions. On ne peut pas être dans l'action et avoir ce recul par rapport à un nombre de questions qui sont posées, qui vont poser par exemple vraiment un problème. On ne peut pas répondre en étant débordé. Et à partir de ce moment, j'ai su que c'était intéressant. Il fallait vraiment se comporter autrement avec ces questions, parce que des questions, on on se fait arnaquer des fois, il y a des choses qui dévient, il y a des fois des jeunes phrases, mais ça ne ressemble pas, mais c'est bien dit, pour d'autres c'est intéressant, mais pour nous ça ne touche même pas. Ça parle d'autre chose. Et ce qui est intéressant dans cette logique, c'est que ça soit les mots de chaque metteur en scène, qui assume aussi sa responsabilité et la cohérence de son projet. Et ça aussi, c'est... on doit l'assumer. Ça veut dire souvent, on peut dire que c'est la faute des scénographes avec qui on travaille, c'est la faute de l'auteur, c'est la faute du commetteur. Mais on a une responsabilité parce qu'on est la cohérence du projet théâtral. Si le metteur en scène ne porte pas son projet, il ne répond pas à ses questions, l'ensemble de ses questions, il y a un problème quelque part. Par rapport au travail avec les équipes, par rapport au financement, par rapport au public, il y a énormément de questions. Et des fois, quand on commence une carrière, c'est pour ça que je veux revenir à ce que j'ai dit au début, quand on commence une carrière, on n'a pas le temps de penser à tout ça. La cohérence arrive petit à petit. Et c'est bien d'avoir aussi, par exemple, en 5 ans, 10 ans, de reposer les mêmes questions à ces metteurs en scène, de voir ce qui est intéressant. Ouais. C'est pour ça ce qui est intéressant, comme ce qu'il a dit Jawad, c'est Jawad de 2012. Pareil, chacun d'entre nous, on revient sur des postures. On se remet en cause. On sait qu'on a eu le temps à un certain moment. On sait qu'on était borné. On a eu des. Peut-être que c'est des valeurs qu'il ne fallait pas défendre à ce moment-là, parce que ce n'était pas des vraies valeurs. Oui. Des méchants. Ça, c'est des choses qu'on essaie aussi. Ah oui. Et pardon, juste vite fait, ça, tout à fait, vous avez tout à fait raison, parce que c'est ça, ce livre aussi, c'est une cartographie du maintenant aussi. Hein. C'est pas l'histoire, on n'a jamais mis le mot histoire, vous avez remarqué l'histoire, non, c'est maintenant. Et là, Hassan, il a parlé de la scénographie, là, et vous avez trouvé la même chose ici, mais pas dit de la même manière. Je vous donne juste un exemple, et on le dit, regarde, on ne s'est même pas consulté. Les seuls noms de collaborateurs que les metteurs en scène citent, c'est les scénographes qui viennent en premier. Les scénographes sont très présents dans le propos. Ouais. Les dramaturges, il n'y a aucun dramaturge qui les cite. Ouais. Les metteurs en scène arabes n'aiment pas travailler avec les dramaturges. Parce qu'ils se considèrent comme eux-mêmes comme dramaturges. Il y en a qui ont dit, vous allez lire, si j'ai besoin d'un dramaturge, à quoi je sers? Comme ça. Oui, il y en a qui l'ont dit. Ouais. D'ailleurs, on l'a mis comme titre. Pourquoi j'ai besoin Regarde, la théorie, l'analyse que tu as faite, il y a beaucoup de choses qu'on trouve ici. Donc c'est pour ça que je disais, c'est un matériau aussi de travail. Ouais. Pour les gens qui veulent chercher, qui veulent aller glaner, qui veulent comparer un petit peu. Exactement. Concernant les gosses, pour réussir dans le monde arabe, peut-être que ça peut être un exemple de travail humble entre trois.
la première couverture, il y avait Dal, non, pas, n'est-ce pas? On a dit à l'éditeur, non, on ne voit pas Dal. Docteur, non, chez le docteur. Ensuite, c'est oriental. En fait, quand tu reçois un retour de ton collègue, quand tu reçois un. Quand tu reçois un retour de ton collègue avec beaucoup de rouge, beaucoup de vert, ça, si, il faut être humble pour accepter le retour, parce qu'on n'est plus étudiant, on n'est plus habitué à ce genre de remarques. Et ça il faut avoir cette modestie. Par contre, pour l'ego des metteurs en scène, il était très fort. Des fois, en fait, c'est difficile. Ouais. Metteur en scène, Mahmoud, tu sais, on pose une question là et répond là-bas. On répond à bonjour. On a Abir Ali Hazil qui est 20 pages. Et tu sais, ça fait 3 jours que je lis. Lui, je trouve pas la réponse. C'est où? S'il te plaît, vas-y, débrouille à toi avec Hakim Harb. D'abord, je voudrais bien vous remercier sur ce livre. En fait, moi, en tant que chercheuse, que je travaille, que j'aimerais bien montrer, mettre en valeur. Et suivre aussi le travail des artistes marocains dans le domaine théâtral, que tout ce que vous avez pris soit vraiment dans un document pour travailler l'archive du théâtre marocain. Oui. En fait, et prendre par exemple, et vous, moi en fait, je ne sais pas si on peut faire ça ensemble, de partir voir par exemple, chaque pièce, travailler avec le metteur en scène, faire des questions-réponses, aussi avec les acteurs et tout ça, pour comprendre vraiment ce qui se passe, pour donner la matière à la recherche pour nous, pour les autres étudiants qui s'intéressent à ça. D'ailleurs, on a eu même de projets qui grandiosent, mais bon, tiens, Dominique est là, peut-être nous on donnait des conseils. On s'est dit même, à partir du livre, pourquoi ça me donnait envie de monter un projet de documentaire sur ça. Aller à la rencontre de ces metteurs en scène, aller voir travailler. Et aller, voilà, on a pensé même à monter un projet, après peut-être, on va voir. Voilà, et que à partir du livre, faire un truc. Et aller, parce que c'est ça aussi, il faut entendre, il faut voir. 5 ou 6 films sur ce metteur en scène. C'est la première fois qu'on voit en fait les témoignages de Awad Khaïm de l'Irak, Jawad Assadi, Souli Asma, comme des jeunes, comme de l'Égypte, comme du Maroc. On a fait le tour du monde arabe de façon mise en scène. Et ça, c'est un travail laborieux. Qui mérite attention. Moi, j'ai eu des retours d'avocats, de médecins, quand ils ont vu, ils m'ont dit, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe. Et c'est beau, continuez, bravo. Ben, merci beaucoup et bravo à vous pour ce... Alors nous, on va faire un tour de Bordeaux. Voilà. Un tour de Bordeaux dès maintenant. On va au TNBA, le Théâtre National de Bordeaux. Omar va prendre la parole après, mais juste, c'est bien si on peut rester concentré pour prendre le tramway ensemble, pour que ceux qui ne connaissent pas bien la ville ne s'égarent pas et qu'on ne perde pas trop de temps. Parce qu'une fois arrivé au théâtre, on va sans doute devoir aussi présenter de nouveau nos passes sanitaires, etc. Oui. Alors, pour le TNBA, donc il faut vraiment qu'on soit à l'heure, 17h30, parce que comme j'ai TNBA, ils sont très rigoureux, il y a notre public, leur public qui peut-être va arriver. Et je suis content aussi parce que c'est un partenariat TNBA, c'est très symbolique, on aille au théâtre aussi. On sort de l'université, on va vraiment dans l'antre du théâtre bordelais. Et dernièrement, je veux juste ne pas m'empêcher d'avoir vraiment une pensée, là, depuis Bordeaux, depuis ici, on est autour du théâtre, à quelqu'un qui nous a quittés il y a un an maintenant, qui est Hassan Nehi. Vraiment, quelqu'un qui nous a marqué dans nos recherches et qu'on ait une pensée à ce grand monsieur.